Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, le logo a changé, bon je ne l'ai pas montré. Sauf si vous étiez sur Instagram, vous avez pu peut-être l'apercevoir. Donc mon logo a changé, le nom a changé et aussi un peu le thème. Donc maintenant ça sera que équitation et vous verrez de temps en temps si ça vous fait plaisir des vidéos de Dixie. Dites-le moi en commentaire si vous préférez que des vidéos d'équitation ou avec Dixie. Voilà. Et on commence tout de suite, donc je vais vous montrer aussi l'intro du coup. Et on va commencer. Et du coup on va continuer avec le contenu de ma boîte de pansage. C'est parti! I danced in the desert in the pouring rain. Drank with the devil and forgot my name. Woke with somebody when the morning came. No one there to shame me for my youth. Cause it wouldn't be with you. And then I found me a lover who could play the bass. He's kinda quiet but his body ache. Spent the days dreaming and the nights awake. Doing things we know we shouldn't do. Cause I wouldn't be with you. Says he can't believe he found me. Wraps his arms around me. Donc on va commencer avec les brosses. Donc vous avez vu, j'ai une, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais j'ai une deuxième caisse pour avec des brosses etc qui est au pré par contre celle-ci, donc je vais pas vous la montrer et puis c'est vraiment derrière ce qu'il y a dedans. Bon là je dis pas non plus que c'est exceptionnel, mais bon ça rajoutera du contenu etc. Et celle de la PA, bah il y a vraiment des brosses basiques etc. J'ai ok, donc voilà. Alors on va commencer avec ça, qui est indispensable, hein, clairement. Si on n'a pas ça, on fait de la masse, c'est un animal. Non, je rigole. Alors, ça, c'est une brosse du coup de massage avec là les petites boues, voilà, qui roule et tout ça. Il y en a parfois, elle se bloque, mais voilà. Donc, de chez Fluenza, on l'a tous la même. Il y a la poussière qui s'envole. Donc, on glisse la main comme ça dedans. Et on a le côté avec des petits picots aussi. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Pour cette brosse. Ensuite, tac. Ouh là là, enfin, je nettoie un peu. On a l'étrie américaine qu'on a tous. Donc, c'est l'étrie américaine rouge, attention. C'est de la marque Pintrepide, un truc comme ça. Je vois pas très bien, en plus c'est assez vu, etc. Mais voilà, c'est une petite. C'est pas très compliqué. Petite étrée américaine rouge. Et attention, je viens de découvrir quelque chose. Vous voyez, là c'est des petits picots et là c'est les gros. Et en fait, si on veut changer, on tire et on tourne. Et c'est un peu vieux, donc c'est assez vieux. C'est un peu rouillé, mais bon, voilà. Et là j'ai mis sur les gros picots et voilà, j'ai tourné. Du coup maintenant c'est sur les gros picots, que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je vous y montre. Ensuite on a la fameuse Magic Brush. Donc j'ai aussi une Magic Brush tout simplement de la marque Magic Brush bleu, voilà, très très simple. Cette vidéo durera pas non plus très longtemps, mais c'est comme ça. Ensuite on a le bouchon, donc ça vous y trouvez du coup chez Decathlon, ça il y en a chez Decathlon, ça c'est pareil. Ensuite on a un bouchon de la marque Fluenza, attention, la grosse marque, donc c'est un bouchon bleu, hein, tout simplement. Donc désolé, ma batterie était au téléphone, voilà. Donc après le bouchon, voilà, donc je disais le bouchon, tout ça, Fluenza à poil bleu, voilà. Donc une moto. Donc après on a le magnifique cure-pied de chez Gamme Vert, voilà, un cure-pied avec une brosse pas toute pétée comme dans les clubs, voilà, petit cure-pied, petit trou, voilà. Bon bref, un cure-pied qui vient de chez Gamme Vert. Après on va avoir, ah,
j'ai oublié de vous montrer ça, la brosse douce. Donc la brosse douce, voilà, tout simplement, rien de bien extraordinaire. Mis à part qu'elle est pleine de poussière, vraiment qu'elle nettoie. Donc voilà, une petite brosse douce de chez Fugenzeck, petite lanière en cuir, qui est vraiment pas mal. Donc là, toutes les brosses que je vous présente, si je les ai, c'est qu'elles sont pas mal, sinon je les aurais changées. Franchement, je vous conseille toutes ces brosses, elles sont vraiment cool. Bon, après, c'est pas non plus du oufissime, hein, c'est des brosses, quoi. Donc, mais bon, si vous voulez attaquer, que vous savez pas si Fugenzeck c'est la bonne cam ou pas, ça l'est. Après, on attaque, on continue plutôt. Avec la brosse à crin, avec des crins, voilà. Petite brosse à crin, donc ça, ça on le trouve chez Fugenzeck, je ne sais pas beaucoup. On a une petite poignée, sauf que mon bras, j'ai des petits poignets, mais parfois je me dis que dans 3 mois, mon poignet n'a pas ce qu'il faut. J'utilise jamais la poignée personnellement, j'utilise jamais ça. Donc, je dis jamais la petite lanière, pas la poignée, je l'utilise. Voilà, donc petite brosse à crin qui est pas mal aussi parce qu'elle est grande et que ça glisse pas. Hop là. Après, on a. Attendez. Si, voilà. Donc ça, je sais pas si on peut en trouver à Decathlon. Je sais pas. C'est la marque Hypotonique. Je sais que moi je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc Angelina, si tu passes par là, merci encore pour ça. Ma jument est en kit dessus. Moi franchement c'est vraiment pas là pour dépoussiérer et tout ça. Donc voilà, de la marque Hypotonique. Moi elle est violette, hein. Clairement je conseille, c'est pas mal pour enlever la poussière, etc. Après on va avoir les petits. Attends, on va passer d'abord au plus important. Si on n'a pas ça, c'est qu'on est nul. C'est. Attention. La paire de ciseaux pour couper les crins. Non, je rigole. C'est une paire de ciseaux. Hein. Je sais même pas si c'est fait exprès pour les cheveux. Si c'est vendu en cheval, c'est une paire de ciseaux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une paire de ciseaux. À la marque. Q-Connect. Donc, je pense qu'en fait, c'est un truc de coiffure, même. Allez, je teste. Non, je rigole. Je ne vais pas tester sur mes cheveux. C'est mort. Voilà, une paire de ciseaux. Hein, clairement, pour couper le toupet de son cheval, c'est horrible. Je suis désolée si vous le faites, mais je peux pas. Non, ça, c'est pour couper les crins. Donc, vous le savez tous. Mais si vous le gagnez, vous ne pouvez pas les couper de vos cheveux avec ces ciseaux. Même avec n'importe quel ciseau, ne coupez pas les. Et ne coupez pas. Là, je me mélange aujourd'hui. Le toupet. Voilà, ne coupez pas le toupet de vos cheveux avec ce ciseau ou n'importe quel ciseau, c'est horrible. Voilà. Après, c'est des ciseaux, hein, clairement, c'est pas mal pour faire le passage de tétière, etc. Donc, pas de ciseaux, indispensable en nature. Après, toujours pour continuer dans les crins, ce qui est quand même pas mal, c'est des élastiques. Donc voilà, j'ai des élastiques blancs pour les compètes, des élastiques noirs pour les compètes aussi. Non, en fait, j'ai des élastiques en fait tout court. Il y avait des blancs, des noirs, j'avais un peu d'argent de poche, j'ai fait balayer, je prends les deux. Donc voilà, après j'ai. Donc c'est des élastiques par contre, parce que je sais pas s'ils sont encore mouillés pour certains, mais ça, il ne faut pas laisser son Easy Shine, son démêlant de la marque Fugenzeck ou quoi à côté, parce qu'après ça mouille ça et ça tient plus. Voilà, donc après c'est des élastiques tout court. Petite lotion à paillettes. Désolée, donc je disais petite lotion à paillettes. Voilà, donc c'est pas mal, comme ça après le cheval brille de mille feux. Et ensuite, pour finir les brosses, après je vous montrerai des trucs de tête de malgré que ça ne soit pas un truc de fou. Donc c'est. Ah voilà, dégueulasse, il faut que je le rince. Mais c'est un pinceau, voilà. Donc j'ai fini avec les brosses, etc. Et on se retrouve du coup pour
que je vous montre ma caisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, commentez, etc. Et puis on se retrouve du coup pour la prochaine fois pour une vidéo encore une fois sur l'équitation. Donc à plus.